Vous êtes où les gars là? Moi je suis au rendez-vous pour tester le jeu, tu vois, bien à l'heure comme d'habitude. Mais c'est pas du tout ce qu'on avait convenu. Parce que moi je suis avec Sébastien là. Je crois qu'il n'a pas du tout envie d'attendre. Vous allez vite fait ramener vos fesses ici! Terminé. Bon, tu le mets ton casque là. Et ferme ta porte aussi. Quand tu tournes à droite, c'est étonnant. Ne venez pas, ne venez pas si vous voyez ma femme. Dites lui que je l'aime. Squeezie. Salut. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Salut Sébastien. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Yano? C'est quoi ton problème? Vous êtes bien foutu de ma gueule. Non, mais attends, te commande à Uber et le mec il se plaint. Non, merci comme ça. T'as vu la tronche de Uber? Il est 9 fois champion du monde quand même. C'était à 5 étoiles, hein, s'il te plaît. Aujourd'hui, on est sur quel jeu? Sébastien Loeb, Rallyevo, c'est ça? C'est ça. Et on va tout de suite commencer une petite course. On va surtout comparer un petit peu nos scores. Talent, ouais. Donc là, on est sur une spéciale d'Alsace, région natale de Sébastien. Il est né là, sur la droite, là. Non, un peu plus bas, un peu plus bas dans la vallée. En haut de l'arbre, juste ici. On parle pas des aides que tu as à la conduite. Non, j'ai Ned Stark. Oh, ça commence bien. Alors, ce qu'on sait aussi sur le jeu, c'est que là, ce sont des portions de véritables spéciales que les pilotes du WRC, donc du World Rally Championship, utilisent. Exactement. Du coup, si je puis me permettre... Moi, je connais les bords. Si je puis me permettre... D'ailleurs, aucun pilote n'a essayé... Sébastien a un avantage sur nous, déjà, du coup. Parce qu'il connaît les courbes. Connaît la course. Ouais, mais il s'en rappelle pas. Oui, on connaît le coup de la mémoire, Sébastien. On est avec la Citroën DS3 WRC, donc la dernière voiture de rallye que Sébastien a utilisée pour son 9e titre de champion du monde. Nonuple champion du monde. Bah, par contre, c'est stylé, mais à dire, ça fait un peu nul, quoi. Moi, c'est impressionnant et nul en même temps. Ça fait un peu suisse. Oui, le frein à main. Oui, bien joué. Super. Magique. Quand tu vas dans le décor, comment ça se passe? T'as une pénalité au niveau du temps? C'est-à-dire que t'es nul et c'est humiliant, déjà, c'est déjà pas mal. Oui, bien sûr. Mais c'est pas sûr que la voiture reparte avec des tels... Ah oui, c'est vrai qu'elle prend des dégâts, la voiture. Là, je l'ai flinguée, la caisse, parce que j'ai même pas pu la ressortir de là. Attends, un bruit bizarre. En fait, le jeu s'adapte à tous les niveaux, débutant où il y a énormément d'assistants, comme malheureusement Cyprien conduit. On peut vraiment enlever quasiment toutes les assistances, pardon, où la voiture devient très très difficile à conduire, mais on se rapproche vraiment de la simulation, là, pour le coup. Il va devoir bosser. C'est tout à fond, avec toutes les assistances que t'as. Oui, bon, on se calme. Ça, on peut même pas te coacher, c'était trop d'assistance, tu vois. On sait pas comment la voiture réagit, c'est... C'est derrière, je la prends dans le décor sur la fin, hop là. Ah d'accord. Il me l'a remise au milieu. C'est toi là-dedans? Non mais tu crois que je monterai dans la caisse quand c'est toi qui conduis avec ta manette? C'est normal qu'elle marchait moins bien. Ouais. Pour remarquer qu'il manque une petite roue. Mais c'est ce genre de petit ah oui, détail. D'accord. Est-ce que Lucas t'aimerais pas faire exactement ouais, la mais même moi j'aime pas les aides par contre. Moi je suis les conseils de Sébastien. Oh je vais t'en enlever. Les gars, il n'y a pas de frein auto, je vais freiner moi-même, ok? C'est quoi les jeux que tu jouais? Les jeux de simulation? Je jouais pas beaucoup. Colin McRae à l'époque. Du coup ça m'a donné envie de faire du rallye puis voilà. Et est-ce que ça te donnait envie de faire un jeu quand tu voyais le jeu? Je pouvais même pas rêver de ça, je pensais pas... Il est pas mauvais lui, hein? Non, attends, il y a pas encore une première... Attention, le 2, voilà, vas-y, voilà, ouais. C'est normal, j'aime c'est normal. Pas trop cet arbre. On rappelle que Lucas n'a plus l'assistance au freinage, donc il doit freiner lui-même, il a quand même l'anti-blocage de roue. Ça c'est pour le spectacle, ça c'est vraiment pour le spectacle. Triangle, triangle. Non, regarde, on repart, triangle, on fait triangle. Là je suis à fond, là il faut que je freine. C'est un virage 6+, donc c'est un virage que tu peux vraiment prendre. Plus le chiffre est petit, plus le virage est compliqué. L'idée, c'est que c'est quasiment le rapport de boîte. Tu vois, quand c'est un rapport de boîte. Après, là, vous êtes en auto, donc il s'adapte tout seul. Mais quand tu roules en manuel, droite 6, tu gardes la 6. Ça veut dire à l'arrêt, quoi. Tu vas visiter un petit peu la campagne alsacienne. Est-ce que tous les copilotes parlent de la même façon? Non, ils ont chacun leur voix. Non, oui, d'accord. Non, mais au niveau. Au niveau des repères de freinage, etc., c'est toujours. Mais en fait, toutes les notes, c'est le pilote qui les prend. Moi, les reconnaissances, on a droit à deux passages de reconnaissance avant. Et moi, je lui dicte exactement ma façon de voir la route. Mais donc, tu peux te planter aussi? Ça pourrait arriver dans l'absolu, mais. J'imagine mais après, que s'il est non-nuple. Tu te mets une boîte après. Donc, justement, tout le truc, c'est que les reconnaissances pour nous, c'est un truc super important parce qu'il faut être capable de tout décrire quand le copier.
pilote t'annonce ton virage, tu saches exactement ce qui arrive. Je sais pas qu'il y a de la reconnaissance, moi. Si, il y a deux balles. Comment tu fais sinon ? Encore une roue en moins. Encore une roue en moins, mais nous on est les pros pour ça. De toute façon, moi je vais me planter comme vous. T'as déjà fait les sièges ? J'arrive pas. J'ai du simulateur en fait. J'en ai un chez moi. Chez toi carrément, mais t'es pas déconcentré d'avoir trop de trucs ? Ça donne quelques sensations. Ça t'entraîne un peu quand tu joues à ça ? Non. On faisait beaucoup de simulateurs quand j'ai fait les années de circuit. Là, tu peux bosser ton circuit sur le simulateur. On a une voiture qui était le plus proche possible de la réalité. On avait le circuit qui était modélisé au laser et tout. Tu travailles tes 12 virages, t'optimises et le jour où t'arrives sur la course, tu sais déjà où t'en es, tu vois. Il est en train de faire un sport, ouais, je crois. Il est en stage. Il y a l'épingle gauche là. Hein. Oh, celui-là, on se le prend tous. Ah, mais celui-là, j'ai eu beau piler avant. Alors là, j'ai changé de vue. C'est la première fois que moi je vois cette vue. On est sur le tableau de bord, juste devant le volant. C'est le point de vue du ticket par mètre. C'est ça. Et là, juste avant que la spéciale se termine, moi je voulais parler d'un mode que j'ai adoré. Ça s'appelle le Lob Experience. On refait les courses très importantes de la carrière de Sébastien, avec en plus à chaque fois une interview. T'as dû repenser à tout ce que t'as fait et puis. Ouais, moi c'était sous forme d'interview. Tu fais le bilan, calmement. Voilà, un peu de mes débuts, des machins et tout ça. Ouais. Il commence son histoire toujours par c'était pas sûr que je puisse participer à la course, puis à la fin, et j'ai gagné. Ça se finit toujours par. Et du coup, c'est la même interview en fait que tu regardes en boucle. Est-ce que t'es prêt à jouer dans ton petit siège chauffé ? Ouais. Et c'est parti. Sébastien Loeb dans son siège baquet, il n'a mis aucune assistance. Il passe les vitesses lui-même. Oui, avec le palette au volant. Comme je dis, il y a. Il n'y a aucune assistance. C'est-à-dire, nous, on avait une assistance anti-blocage. Toi, t'avais le. Non, moi, j'avais aucune assistance non plus. Si, si, il a déjà deux secondes d'avance. D'accord, regardez, parfait. Regardez comment ça passe. Aujourd'hui, Sébastien Loeb sera 10 fois champion du monde. Voilà, c'est sa 10e fois. Mais là, je sais pas si on peut voir après un peu les mains, mais il y a toujours rectification de trajectoire. Enfin, ça va très, 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 très vite. Non, mais c'est voilà, pas du tout ce qu'on fait. Mais non, c'est ça. Rien à voir. Non, mais en plus, moi j'ai testé avec ces réglages de non-assistance, j'ai fait deux virages sans me vautrer et après la voiture est partie en tête à queue et partait dans tous les sens. C'est super. C'est incroyable, mon gars. Ça passe nickel. Par contre, il met pas son clignotant quand il tourne. Ah ouais, attention, carrément. Attention, ça c'est le virage où on s'est planté tous. C'est bon pour lui. Voilà, il coupe. Voilà, un magnifique. Oh, putain, con. Ah non, il a coupé. Non, il peut pas couper, d'accord, il a pas le droit de couper. Ah, un petit peu de retard là, forcément, à cause de ce virage coupé. Je pense qu'il va rattraper le retard. Le virage en dévers, ça passe, mais. En fait, les gens ils doivent se demander pourquoi on est en mode waouh, c'est cool, on a joué juste avant. Ouais. Et on sait comment c'est dur. J'ai l'impression d'être vraiment dans les caisses avec lui. Ouais, non, d'être derrière et de faire. Ouais, c'est la Sébastien, tu me déposes là, s'il te plaît. Et voilà, il finit en 2,43. La voiture, elle est quasi nickel. Bon, bah, c'est pas explosé. Allez, merci, à bientôt. Le temps a parlé de lui-même. Bah, j'ai gagné, les gars, mais comme on dit, vous avez participé, ça m'a fait du tout. Pas du tout, tu n'as pas du tout gagné. C'est la deuxième fois qu'il nous met la pâtée. Hein, il faut que t'arrêtes. Plus jamais tu reviens. Plus te croiser, c'est très humiliant. Okay. Ça, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, en tout merci cas. Merci à toi. Et Yann, on te rappelle un Uber pour que tu passes. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Tu dois y aller, c'est ça. Et bah j'y vais. Allez, ciao, les gars. Allez, le mec qui nous explose, il s'en va. Et on vous fait gagner 10 jeux sur PS4 ainsi que 10 codes d'abonnement pour le service SFR Jeux Vidéo pour jouer à plein de jeux, notamment Sébastien Loeb, Rally Evo. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Tout simplement. Non, c'est mon rôle normalement de dire ça. Vas-y, dis-le, c'est ton moment. Cliquez sur le lien dans la description. Abonnez-vous. Allez, ramène-moi Sébastien. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Attention, pas trop vite.